Bonsoir à tous, c'est Plixo, on se retrouve aujourd'hui sur RimWorld. Donc, le plan aujourd'hui, finir les corrections qu'on a commencées dans le dernier épisode. C'est-à-dire construire l'hôpital, finir ce mur si possible. Mais surtout l'hôpital. Surtout. Qui sera une chambre un petit peu plus grande. On va faire un mur ici qui va être un petit peu plus grand. Donc d'ailleurs, je vais enlever tout ce qui est marquage. De ici à ici, ça fait 7. Donc de ici à ici, ça fait 7, parfait. Structure, mur en granit. Ici. Ça fait bien 7, parfait. Je vais... déplacer. Il est bon, donc je vais le déplacer dans la chambre de Max qui a un lit normal. Pou est en train de bien tout déplacer, donc on a bien notre zone rituelle pour tous nos gens qui sont morts. Oups. Désolé Mason. Pou ne peut pas construire, hein. Enfin, il peut, mais il foirerait tout. Construction, allez, il y a un. C'est notre noctambule. C'est notre noctambule. Oh, évasion. Sérieusement, encore? Wow, vous allez chercher quoi, là? Wow, non, pop, tu te calmes. J'ai pas eu le choix. Il avait pris le cocktail Molotov. J'ai pas eu le choix. Oh, j'espère que je l'ai pas trop fait mal. Ça va. Ça aurait pu être pire. Le fait qu'ils soient ensemble pose problème. C'est vrai, vous me l'avez déjà dit, je le sais. Mais il faut qu'on s'en occupe quand même. Je vais annuler ces tuyaux. Non, c'est ces câbles électriques qui servent à rien et surtout qui me... j'ai plus de métal. J'ai plus de métal tout court. C'est pas j'ai bientôt plus de métal, c'est j'en ai plus tout court. Donc là, j'ai donné à Max l'ordre de miner. De faire la priorité au minage. Ce qui est clairement discutable. Hein. C'est discutable, mais bon. Le mur est bientôt terminé, hein. Le mur est bientôt terminé. Et une fois qu'il est terminé, il faudra que je finisse de blinder cette zone. Que je fasse arriver de l'énergie ici pour prendre tout ça. Ça va, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais je suis ravi qu'on ait beaucoup de métal sur la map. Infection. Ah bah oui, forcément. Qui est mon meilleur médecin à porter ? Joe à 8. 8. 10. Strike, c'était juste à côté, parfait. Ah, forcément. Pou à sa chambre. J'ai demandé ce que Max. Kim, tu es où ? Kim, tu dors. Pourquoi tu dors? Il y a du repos à avoir. C'est important. Bon, par contre, Snack, tu viens juste détruire le lit de Max en vitesse et déplacer l'autre lit. C'est juste ce que je vais te demander.
réinstaller juste ici. Parfait. Ensuite, je prends ce lit et je le réinstalle dans la chambre de façon à ce que Max ait son lit. Et je le donne à Max. Parfait. Tout est ok, tout est bon, il n'y a pas de souci. Tout va bien. Ce lit, je le réinstalle ici. Qu'est-ce que tu fais, Snax? Alors, il y a un loup. Je suis pas trop d'accord. J'avoue que la présence du loup me fait un peu peur. Parce qu'il pourrait nous tuer. Donc j'avoue que j'aime pas trop le loup. J'ai pas confiance. Par contre, cette éolienne est très très susceptible. Niveau énergie, on se maintient. Ça se maintient. Oh, nouvelle recrue. Qui m'a réussi à recruter Caro? Parfait! Ceci est maintenant ton lit. Alors, qu'est-ce que t'es bon à faire? Pompier, déjà, ça c'est bon. Patient, médecin, mais non. Voilà, dressage non plus. Chasse, prend. Oh oui, ferme. Ferme, oui. Construction, c'est bien aussi. Forestier, je vais lui donner un aussi. Forge et autres, je vais pas lui donner. On a déjà Max qui peut le faire et on a quelqu'un d'autre qui sera très bon à le faire aussi. Minage à 2. Même si... Non, t'es vraiment trop nul en minage. Est-ce que t'es noctambule? Si sa chambre est trop impressionnante, obtient un debuff. Ok, donc je vais te faire une claustrophobie sévère. Je peux comprendre. Sors. Vêtements usés, à manger sans table. C'est valide. Michael ramène du métal, parfait. Production de médicaments terminée, ça c'est une bonne nouvelle. Je vais faire toutes les petites recherches de bâtières, histoire qu'on puisse le faire. Mais je pense qu'on est bien là. Par contre, faut vraiment tuer ce loup. Donc je suis d'avis de prendre ce groupe. Ah, forcément, il est parti plus loin. Je sais que c'est horrible de faire ce que je vais faire, mais j'ai pas vraiment le choix. Nouvelle recrue. What? Avec 1% de chance. Minoka a été recruté. Alors, Minoka, qu'est-ce qui t'arrive? Des légères blessures. C'est pas grave, ça ira mieux. Aptitude. En quoi t'es bon? Écoute, je m'occuperai de toi juste après qu'on se soit occupé du loup. On va éviter de tirer sur les sremos. Max, tu te mets en position ici. Zitoun, ici. J'aurais préféré peut-être qu'on soit plus loin, mais c'est pas grave. Parfait. Just as planned. Pourquoi consommer? Y a pas de place dans mon... Ah, peut-être qu'il peut pas faire du transport. Ah non, je l'ai interdit. Il était interdit, c'est pas grave. Zitoun va pouvoir se remettre à cuisiner. J'aurais pas dû enlever Zitoun de ça. J'aurais pas dû. C'était une erreur. Alors, Mionka, qu'est-ce que tu es bon à faire? Déjà, ça, tu le fais. Ça, t'es nul. Ça, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Joliet, t'es nul. Dressage, on va éviter. En fait, t'es dans les meilleurs, donc... Max pourrait faire de la cuisine. Mais elle a déjà plein de trucs à faire. Donc, Mionka, dressage, non. Cuisine, non. Chasse, non. Construction, c'est pas trop mal. Tu seras... En priorité, déplacement et comme... En fait, tu seras à peu près comme Pou.
Sauf que tu peux... En fait, tu peux faire que ça. On va pas être méchant, on va juste lui donner... On lui donne du boulot, déjà. On lui donne beaucoup de boulot, parce que tout ce qui est transport et autres, c'est beaucoup de boulot. Un chasseur n'a pas d'arme à distance. Oh, oui, Caro, c'est vrai. Je t'ai pas donné d'arme à distance. Quelles sont tes stats? Quelles sont tes stats? Tir 6. Tir 6, ça mériterait bien un fusil d'assaut, ça. Sauf que j'ai donné un fusil d'assaut à... Pouf! Un pou qui a 2 en tir, donc pou. Pou, tu vas me faire le plaisir de lâcher ton fusil. Je sais pas où t'es. Voilà, pou, tu lâches ton fusil. Ensuite, Caro, tu es bien équipé, donc tu prends le fusil. Et pou, je suis désolé de te réveiller, mais tu vas prendre ce fusil à pompe. La nourriture se fera? Wow, qu'est-ce que c'était que ce truc? Oh, on est à 40 sur 50, calmez-vous, on est bien. Mais c'est vrai qu'on est limité au niveau bouffe quand même. Là. Donc je vais demander juste à Zitoun, dès qu'il va avoir mangé, je vais lui demander de faire ça. On a oublié la porte. On a oublié la porte, sérieusement. On a oublié la porte. Zitoun, non, tu vas couper des cadavres avant. On a besoin de plus de viande. Parfait, psychobrewing terminé. Raffinage. Comme ça, il va avoir de la viande à découper. Enfin, il va avoir de la viande à utiliser. Sérieusement, ils ont pas fini. Et... Finalement, Chamber, qui est techniquement le plus facile à recruter, n'est toujours pas recruté. Les joies du random. Bon, niveau bouffe, on a de la viande. Mais il va falloir qu'on fasse attention à tout ce qui est... C'est bon, tu vas te coucher, parfait. Donc on va devoir chasser un petit peu plus, je suis d'avis de chasser ça, ensuite ces deux là. Maladie grave, oulala, Myoka, qu'est-ce qui t'arrive? Infection extrême. Immunité 84, infection 78, c'est proche mais tu vas t'en tirer. C'est pour ça qu'il nous faut un lit médical. D'ailleurs ce lit en fait n'a pas besoin d'être déplacé, on va le déplacer quand même. On va le déplacer quand même, juste au cas où. Vêtements chauds requis, strikes. Vêtements lambeaux, tout le monde. Tout le monde. Ok, tout le monde. Bassin hydroponique en panne. On va s'en occuper. Alors, on va faire 5 t-shirts, 5 pantalons, 5 parkas. Je vais lui faire lâcher le gilet pare-balles. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. En fait, c'est le gilet pare-balles, je crois, qui lui posait des problèmes. Ouais, c'était le gilet pare-balles qui lui posait des problèmes. Ok, tout est en train de tomber en panne. Je note. On a quelques ressources à aller chercher ici. On a beaucoup de métal ici. Qu'est-ce que ça dit niveau métal? 380, on est remonté. On est remonté. Je vais aller miner du plastacier ici. Tant qu'on peut le faire. Parfait. Ah, Max est au minage, j'avais oublié. J'avais oublié que Max minait. Oh, oh, oh. Non, sérieusement, là? Comment c'est arrivé? Il était quasiment safe. Bon, bah... Oups. L'avantage, c'est que j'ai tué aucun de vous. J'avais pas eu le temps de le renommer.
Ah, oh, mais c'est abusé quand même. C'est abusé quand même. Hé, hey, le mur est terminé. Visiteur Kim. Bon, mais ok, il va falloir que je l'enterre. Raffinage de psychique, parfait. Snack, est-ce que tu peux... Non, on va pas l'enterrer comme ça. Je vais apporter les ressources. Et on va y enterrer Myoka. L'avantage, c'est que... j'ai tué aucun de vous. On n'avait pas eu le temps de le renommer. Demande de caravane. Ils veulent 6 par cas. Man plasmateur en plastacier. Wouah, c'est chaud les mecs. On va voir où c'est. On va voir où c'est. Si je peux le faire, clairement je le ferai. Parce que c'est 6 par cas, c'est pas si dur que ça à faire. Nope. Nope. C'est mort. Nope, je le ferai pas. Ok, Kim. Kim. Kim qui est à l'autre bout de l'univers. Mais allez pas voir mes cadavres. Ça se fait pas. Ok, je vais leur vendre les arcs. Pas la mitraillette, mais les arcs. Les médicaments. Oh, je peux leur en acheter un, je vais le faire. Je leur donne 2 d'argent. Allez, c'est valide. Normalement, Pou et les autres devraient très vite arriver récupérer tout ça. Pou et Caro, normalement. Ah non! Bah non, bah plus maintenant, non. Non, c'était... C'était Feu, la personne... avec qui on était. J'ai l'impression que je me suis fait enfler un médoc, là. Presque. On va désactiver ce médoc-là aussi. On va construire une copie dans cette chambre. Ici aussi. Et ici aussi, parfait. La consommation de l'énergie, ça se tient. Le mur est terminé. La muraille est terminée. On peut s'agrandir, ça y est. Enfin, pas encore totalement, mais presque. Je vais juste ordonner le minage de tout ce truc parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de métal ici. De toute façon, je ferai un mur ici, je pense. Ce serait même possible qu'il y ait une entrée ici, en fait. Ce serait possible qu'il y ait une entrée ici, ouais. Oh oui, on a touché pas mal de métal là. On a touché pas mal de métal, c'est vraiment bien ça. Là, on est vraiment bien. C'était ce qu'il nous fallait. Là, ce mur, il est vraiment bien. J'ai pas envie de... Ça va me faire... Ça me pose problème de laisser un mur ici, mais j'ai fait du granit. J'ai fait du granit. Ok. On annule. Ceci est du grès. Ceci est du granit. Ceci est du calcaire. Parfait. Voilà, au moins, on a de quoi faire.
On a de quoi les faire. Je vais juste faire ce truc là parce que ça va me rendre dingue sinon. Max est au boulot et au taquet là. Hein. Caro, qu'est-ce qui t'arrive? Environnement déplaisant, a dormi dans le froid? Wow. 6 degrés? Wow, c'est quoi ça? Ok, température, chauffage, on va en mettre un ici. Il fait extrêmement froid, donc on va chauffer un peu plus la base. On va chauffer un petit peu plus la base. Par contre, Caro, j'ai l'impression que tu es en construction et c'est pas top. Si c'est pas mal en fait, j'ai rien dit. Je vais faire ce mur du coup. Et on a encore plein de métal là-dedans, donc moi ça me va. Le problème c'est que j'ai peur de trop fragiliser cette zone et qu'ils se mettent à nous attaquer sur ce front. Donc je pense que je vais laisser un trou et faire une kill gate juste ici en fait. Faire une kill gate juste ici ce serait une bonne idée. Donc une au sud, une au nord et une à l'est. Ouest. Non, est. Est. Ouest, est. Voilà. Des fois c'est dur de se souvenir. Ok, Poupe a ramené... Il ramène tout, il déplace tout en fait. C'est lui notre personne de déplacement maximum. Et il fait super bien son boulot. Donc on n'a pas à se plaindre. Là en fait, ce que j'ai un peu peur, c'est de déplacer mes défenses ici. Et me retrouver un petit peu bloqué. Donc j'ai besoin de tout ça. Qu'est-ce que dit la bouffe? Ça dit qu'on cuisine pas assez vite. Hein. J'ai l'impression que Zitou ne peut pas suivre la consommation qu'on a. Ce qui est réellement inquiétant. Hein, ce qui est réellement inquiétant. Joe, je vais te mettre en cuisine 1. Parce que je sais que tu peux le faire. Moins 16, hein, c'est quand même... froid. On va dire que c'est froid. Regarde, qu'est-ce que tu fais dehors? Qui met au boulot? Strike, c'est en construction, tiens, j'avais jamais fait gaffe. Qu'est-ce qu'on a en recherche qui pourrait faire vite fait? Bon. Pénoxyline, ça peut pas lui faire de mal. Ok, ce chauffage est prêt. Ça va encore plus tirer sur nos réserves. Ce que j'aime pas particulièrement. Si je construis une copie, faut que je la mette ici. Faut que je la mette ici et que je déplace le câble électrique. Je vais en construire une copie. Qui est le meilleur entre Kim et Strix? Construction, Kim est à 13. Snack est à 12, donc Kim est techniquement meilleur. Alors bien sûr, comme d'habitude, le sol, on fait un petit plancher pour délimiter les endroits où on peut et ne peut pas être. Ah, j'ai fait un tout petit peu trop court. Parfait. Je vais supprimer la petite zone qui est en trop. Parfait.
Donc là, on est vraiment bien. Là, ça pose plus de problème. Sauf peut-être ce câble ici que je vais devoir découper. Mais sinon, tout va bien. Bah, on va cramer tout ça, hein. Franchement, je m'embête plus à les déshabiller. Je sais que ça rapporte un petit peu d'argent, mais pour le prix que ça se vend, ça vaut pas le coup. Franchement, ça vaut pas le coup. Faites, parfait. Tout le monde va être un petit peu plus heureux. Est-ce qu'il est relié? Il a l'air d'être relié. Il y a un petit bug ici, mais on dirait bien que c'est relié. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Bon, je pense que... on a les Advanced Geothermal, mais je suis tenté de passer sur Advanced Nuclear Power. Ça va être long, mais faut le faire. Ça risque d'être très long, par contre. Demande de caravane. 26 t-shirts. Nope. C'est où? Ah, c'est nos voisins. Precision turret en plastacier. D'acier. En 27 jours et il nous faut 26 t-shirts. Non. Non, on peut pas encore. On n'a pas les ressources pour le faire. Enfin... si, on a les ressources, mais... là, on n'a pas le temps. Je veux vraiment finir la base et ensuite, on pourra se mettre à faire des caravanes et autres. Ce qui me fait peur, c'est surtout que Snack n'arrive pas à suivre, en fait. Hein. Animal fou, c'est où? Pauvre bête. Je te plains tellement. Dans 3, 2, 1... oh, c'était tellement parfait, le timing. Je pense que je vais construire quelques tourelles de plus. Enfin, quelques batteries de plus. On peut augmenter la taille de notre... on peut augmenter la taille, c'est déjà ça. Hop, c'était ici. Parfait! Alors, dans production... ah, voilà, parfait. C'était ça que je voulais faire. Cette zone va être très ralentie, hein, je tiens à préciser. Je pense pas qu'on ait les ressources pour construire tout ça. Mais une fois qu'on aura ce qu'il faut... Ça suffira à produire pour qu'on ait suffisamment de bouffe pour un bon moment. Un colon inactif, tiens, qui est ce colon inactif? Pouf, Pou n'a plus rien à déplacer, rien. Ok. Bah c'est valide. S'il a rien à déplacer, ça veut dire que la colonie... ne fait pas assez de choses. On fait pas assez de choses. Structure... je pense que je vais faire de cette zone une killgate. Je vais faire de cette zone une killgate. Donc je vais mettre des tourelles. Deux tourelles ont l'air de suffire. Deux tourelles ont l'air de suffire, mais c'est pas sûr, sûr. Je vais pouvoir supprimer tout ce mur. Et j'avoue que ça me fait extrêmement plaisir. Passer le câble ensuite. Un câble électrique, le faire passer ici. C'est pas particulièrement problématique.
Ce qui me fait peur, c'est surtout ça. 15 composants. On n'a pas les composants pour le faire. On les a pas. On va les avoir, il faut qu'on les ait, mais pas encore. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir que je supprime max du minage. En deux, comme ça, il sera... Les composants, puis le minage. Oh, c'était quoi ça? Caravane de marchands de la communauté des fraises. Attendez. J'ai mal lu, là. Ah non, falaise. Oui, j'ai mal lu. J'ai extrêmement mal lu, c'est bon. Les fraises. Pourquoi j'ai lu fraises? Est-ce que je peux demander à la tourelle de... Non, je peux pas. Dommage. Je vais devoir chasser un petit peu. Kim. Commerce. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur vendre? On peut leur acheter tous leurs composants. Boum. Ça, c'est fait. Cuir de caribou, je vends. Cuir de rat, je vends. Lièvre, je vends. Raton laveur, je vends. En fait, le truc, c'est qu'il faut que je garde des doses assez grandes de fourrure quand même pour pouvoir construire les vêtements dont j'ai besoin. L'acier, je garde. Non, ça par contre, je garde. Ça, je garde. Ça, je vends. Ça, je vends. Et ça, je vais garder. Ce qui me coûte déjà quand même 500. Mais ça fait quand même 39 composants. Je vais en prendre 30. Allez, juste... 20. Au point où j'en suis... Allez, on va en prendre 30. Au point où j'en suis... C'est pas grave. J'ai de la viande. J'ai beaucoup de viande de dromadaire. Surprenant. Ok. Pou, c'est ton travail. Faut vraiment que je lui installe une jambe en bois. On peut pas vraiment se permettre de perdre des ressources comme ça. Je crois que Caro est en train de nous pourrir toutes les constructions qu'on peut faire. Voilà, donc là on va pouvoir mettre racine de vie. Tout ce qui est en bas, je vais mettre une petite zone de racines de vie. Je sais que c'est pas de la bouffe, mais on a besoin de ces racines de vie. Donc tout ça, la moitié de notre production, c'est de la racine de vie. Le reste, c'est des patates et probablement du riz à côté. On va mettre un petit peu de riz dans le tas et ce sera bon. Eclipse, pas très grave, mon énergie ne vient pas de là. Donc on est bien. La Killgate est en cours de construction. Celle-ci, il va falloir qu'on déplace. La muraille est terminée. Cette Killgate ici, celle-ci va être déplacée là-haut. On va récupérer de l'énergie. Et on est au quart de la recherche des nucléaires générateurs. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Par contre, on n'a toujours pas fini l'hôpital. Oups. Mais on a fait la chambre. On n'a juste pas fini l'hôpital. Mais sur ce, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne. Et sur ce, à dans la prochaine vidéo !